Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour parler d'un très grand penseur, un penseur décisif, Averroès. Averroès est le nom d'Ibn Rushd, ce grand penseur musulman qui a vécu au XIIe siècle, il est né à Cordoue, et dont la pensée a marqué durablement l'histoire de la pensée islamique. Pour en parler, j'ai le plaisir d'inviter et d'avoir deux invités qui connaissent très bien à la fois Averroès l'homme, mais aussi le penseur. Ali Ben Makhlou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie, vous êtes un connaisseur d'Averroès, puisque vous lui avez consacré un certain nombre d'ouvrages. À côté de vous, Jean-Baptiste Brenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie arabe, médiévale et latine, et vous connaissez bien sûr Averroès, mais aussi le débat qu'il a eu avec la pensée latine. Alors, avant d'aller plus loin dans l'évocation de ce grand penseur Averroès, regardez le document préparé par Boualem Guéritli qui nous restitue l'homme dans l'histoire de la pensée musulmane. Regardez. C'est en 1126 à Cordoue, en Andalousie, que naquit Abdelwalid Mohammed ibn Rushd, plus connu sous le nom latinisé d'Averroès. Il est issu d'une grande famille de juges de Cordoue. Sa formation est initiée par des maîtres particuliers et commença par l'étude par cœur du Coran, de la grammaire et de la poésie. Par le biais de son père, Averroès reçut une instruction approfondie du hadith, parole, acte et comportement du prophète de l'islam, ainsi que du fiqh, la jurisprudence islamique. Après une solide formation religieuse, Averroès étudia les sciences et la philosophie. Il élargit aussi ses connaissances intellectuelles en s'intéressant aux mathématiques, à la physique, à l'astronomie et à la médecine. Alors messieurs, ce document restitue en tout cas approximativement l'histoire et dans laquelle s'inscrit ce grand penseur Averroès. Ali Ben Makhlouf, avons-nous beaucoup de choses justement sur sa vie ? Non, puisque pour tous les médiévaux, nous avons très peu d'éléments biographiques. Le concernant, on sait que par exemple, le père d'Ibn Arabi lui a envoyé son fils pour discuter avec lui et pour évaluer l'aspect mystique et l'aspect proprement philosophique qui les retenait tous les deux. On dit que, mais vous savez, c'est presque des légendes, Al-Murakushi en parle, qu'il a tout le temps travaillé sauf le jour de son mariage et le jour où il a perdu son père. Voilà, nous avons quelques adages, si vous voulez, mais nous n'avons pas véritablement des éléments biographiques très sûrs. Nous savons qu'il a été également, d'après le Murakushi, présenté par Ibn Tufayl au calife Al-Muhad pour faire une exégèse des textes aristotéliciens, puisque
les commentaires d'Orient sont arrivés tardivement et ont considéré qu'ils n'étaient pas tout à fait compréhensibles. Il fallait en quelque sorte les réactualiser, les rafraîchir. Nous avons comme ça quelques éléments, si vous voulez, de sa présence à Cordoue, mais d'une façon intermittente, interrompue et certainement pas la précision que nous avons l'habitude d'avoir avec nos contemporains quant à leur biographie. Jean-Baptiste Brenet, comme vient de le dire Ali Ben Makhlouf, il est né à Cordoue, hein, au XIIe siècle. On sait par contre qu'il a été un érudit puisqu'il a plusieurs formations. Quelle était la formation, quelles sont les formations d'Averroès? Comme l'a très bien dit le petit reportage qu'on a vu, il a une solide formation de ce qu'on appellerait l'honnête homme. Donc par des maîtres particuliers, il est formé à la grammaire, à la langue arabe, à la poésie. C'est un grand spécialiste en ce domaine-là. Et puis, par sa lignée, par son grand-père surtout, il est initié à Usul al-Fiqh. Et donc, il est un grand maître bientôt de la pensée juridique en islam. Donc, sa première formation, c'est celle-ci. Le Coran, son grand-père la tradition. Son père qui était des radis. Oui, mais son grand-père est une personnalité plus importante en islam à l'époque. Et c'est dans un second temps que le qu'Averroès viendra à la philosophie, passé la vingtaine. Mais sa première formation n'est pas philosophique. C'est, disons, ce qui fait la culture de l'honnête homme en islam à l'époque. Alors, Ali Ben Makhlouf, comment se formaient les esprits? Est-ce qu'ils étaient suivis? C'était des adeptes? C'était des, ils avaient des maîtres qui les formaient? Il y avait des médersins? Il y avait des écoles? Comment ça se passait? Alors, effectivement, vous savez, déjà, en Grèce, par exemple, le gymnase n'était pas dévolu uniquement aux pratiques corporelles. Dans le gymnase, on apprenait des choses qui étaient relatives à l'homme dans sa globalité. Eh bien, la mosquée, c'est pareil. La mosquée est un peu comme le gymnase pour les Grecs autrefois. Ce n'était pas uniquement le lieu où on priait, mais c'était le lieu où, auprès d'un maître, on se regroupait pour étudier quelques arguties sur quelques prépositions dans le Coran. Et du coup, ça donne une grammaire adaptée à la lecture coranique, puisque vous le savez, le texte coranique est sans ponctuation. Donc les particules comptent beaucoup, et les waqf, les moments où on s'arrête dans une lecture pour reprendre le verset. Il y a bien évidemment, comme l'a dit Jean-Baptiste Brenet, au solfiq, la connaissance des quatre sources du droit, Coran, Sunna, Ijmer, consensus de la communauté, et Qiyas, syllogisme. Il y a la connaissance parfaite des hadiths de la Sunna et de la parole prophétique. Alors effectivement, ce sont des éléments de base. Et le reportage disait maître en philosophie et en sciences. Peut-être que la conjonction est une projection de notre part. Ce n'est pas la philosophie et les sciences, puisque la philosophie n'est pas distincte des sciences à l'époque. Et je crois que c'est très important de souligner que la philosophie, c'était la connaissance réfléchie des étangs, la connaissance vraie des choses, et qu'elle incorporait en elle-même toutes les sciences dites profanes, comme l'astronomie, comme la médecine, bien évidemment. Et donc, ce n'est pas la philosophie et les sciences, mais la philosophie est scientifique. Jean-Baptiste Brenet, le contexte dans lequel Averroès a vécu, c'est le contexte de l'Andalousie, à Cordoue. Quelle était, à ce moment-là, l'ambiance de cette époque concernant les débats, les spéculations, les controverses? Avant les histoires de débats, la chose la plus importante, marquante pour la vie d'Averroès, c'est que l'Andalousie connaît un moment d'agitation politique très fort, puisque c'est un changement de monde qu'on voit. La dynastie des Almoravides que servaient son grand-père et son père s'effondre et laisse la place aux Almohades. Donc les 20 premières années d'Averroès sont des années de forte agitation, et Averroès deviendra, placera tout son savoir et, au service des Almohades. Donc c'est ça qui doit entrer en jeu d'abord. Ensuite, pour ce qui est du contexte andalou, eh bien, tout à l'heure, Ali Ben Makhlouf l'a rappelé, la chose importante, c'est de ne pas oublier qu'Averroès n'est pas le premier andalou à faire de la philosophie. Il y a avant lui Ibn Tufayl et aussi Ibn Bajjah, qui sera d'ailleurs son premier modèle.
avant même de lire Farabi, Ibn Sina ou même Aristote, c'est à travers Ibn Bajjah qu'Averroès va faire la découverte de la philosophie. Cette agitation dont parle Jean-Baptiste Brunet était importante pour la fécondité de la pensée d'Averroès, a été un élément stimulant. Disons que on oublie combien l'Empire almohade a mis 30 ans à se construire. Et ce sont les 30 premières années d'Averroès, de 1130 à 1162. Et donc pendant 30 ans, il y avait cette agitation. Comme ces penseurs étaient directement dépendants quand même des califes, puisque le mécénat était de règle, eh bien la précarité de sa pratique était nécessairement proportionnelle à l'instabilité politique. Il n'y a pas de structure comme l'université, il n'y a pas de professeurs fonctionnaires, il n'y a pas des choses de cet ordre. Donc il y a une dépendance directe à l'égard du pouvoir. Et pour Averroès, effectivement, la sérénité de la production scientifique, philosophique, viendra avec la stabilité du pouvoir almohade, c'est-à-dire ultérieurement à 1160. Mais ce n'est pas un paradoxe que ce sous l'Empire almohade, connu quand même pour être rigoriste, assez iconoclaste, qu'une pensée va être un peu à contre-courant de cette situation, non, Jean-Baptiste Brunet? Non, parce que la pensée almohade, en fait, n'est pas tout d'un bloc, n'est pas d'un pan. Il faudrait distinguer ce qu'elle commande dans le droit et en théologie ou en philosophie. De ce point de vue, elle est plutôt rationaliste. Donc, au contraire, la théologie almohade a suscité un fort travail de la raison dans lequel Averroès s'inscrit et dans lequel il se reconnaît. Mais pour aussi rebondir sur ce que Ali vient de dire, la prégnance de cette question politique est si nette qu'à la toute fin du discours décisif, dont on parlera tout à l'heure sans doute, la référence au pouvoir almohade dont Averroès se veut le serviteur est là. Donc ça imprègne complètement son œuvre. Averroès a été un grand écrivain, il a écrit des ouvrages philosophiques, il a répondu à des polémiques. Voici donc l'œuvre d'Averroès, regardez. Au XIIe siècle, Averroès produit plusieurs œuvres. Son livre, Le début de celui qui cherche, est une référence en matière de jurisprudence comparée. Il répertorie et commente les avis de différentes écoles théologiques. En 1166, à la demande du calife de Séville, Abou Ya'qub Youssef, Averroès présentera l'œuvre d'Aristote de façon pédagogique, épurée des rajouts et lacunes. Il corrigera les erreurs de traduction et l'enrichira par de brillants commentaires. Deux nouvelles grandes œuvres majeures verront le jour. L'incohérence de l'incohérence et son fameux traité décisif. Aujourd'hui, Averroès est considéré comme l'un des plus grands penseurs de la période médiévale. Certains le consacreront même comme l'un des précurseurs de la pensée rationaliste en Europe occidentale. Ali Belmakhlouf, comme il est dit dans le document signé Boualem Guiritli, c'est une œuvre monumentale, oui, par le nom mais aussi par la qualité. Alors, je ne sais pas par quoi il faut commencer pour parler à Averroès. Par la logique. Par la logique, allons-y. La logique, puisqu'il a commenté huit œuvres de la logique d'Aristote, je dis huit et non pas six. Traditionnellement, on considère que les œuvres d'Aristote s'arrêtent aux réfutations sophistiques et lui a intégré la rhétorique et la poétique dans le projet logique. Et donc c'est un projet logique très ample qui va de la conception au jugement, au raisonnement, jusqu'au la fabrication des images, la poétique, et jusqu'à la khataba, la rhétorique. Si bien que les sciences de la logique ont été un paradigme de la connaissance parce qu'elles sont porteuses de démonstrations dans leur forme la plus haute. Et le paradigme démonstratif a été, si vous voulez, le fil directeur de la manière de faire de la philosophie. C'est pourquoi je vous dis, commençons par les sciences de la logique. Il n'a pas été le seul. Tout à l'heure, Jean-Baptiste citait Ibn Tufayl et Ibn Bajjah, qui étaient aussi de grands logiciens, Ibn Bajjah particulièrement. Et je crois que la logique est une bonne voie d'entrée,
comme méthode et comme partie de la philosophie à l'appropriation philosophique par Averroès. Arrêtons-nous sur cette, j'allais dire, période grecque d'Averroès. On a toujours dit, on ne cesse de le répéter, ici en Occident notamment, que finalement Averroès n'était qu'un simple transmetteur, qu'un simple passeur, alors qu'il était plus que ça, Jean-Baptiste Brunet. Oui, il est beaucoup plus que ça. D'abord, il faudrait parler quand même de certains autres écrits. Son premier livre, c'est un commentaire du Mustasfa de Razali. C'est une œuvre juridique. C'est un commentateur du médecin grec Galien aussi. Il a commenté le poème de médecine d'Ibn Sina. Donc, il a énormément écrit dans tous les domaines. Mais pour en venir à la question grecque, d'abord, il n'a pas eu un seul rapport à Aristote. Puisqu'il a écrit différents types d'œuvres sur Aristote, ce qu'on appelait des petits commentaires, puis des commentaires moyens, puis des grands commentaires. Et au fond, le travail qu'il a fait sur Aristote est beaucoup plus un travail de réélaboration systématique, avec une cohérence qu'Aristote ne pouvait pas donner à son travail, puisque Averroès le lit à travers d'autres œuvres, à travers d'autres traditions, imprégné de néoplatonisme, par exemple, si bien que ce qu'on lit lorsqu'on lit Averroès, c'est certes, et de façon très impressionnante, une exégèse d'Aristote, mais sous une forme très originale et avec des thèses qu'Aristote lui-même n'avait pas proposées. Averroès va continuer à œuvrer, à travailler, à réfléchir. Quelles sont les autres œuvres, Ali Ben Makhlouf ? Il y a ce que vient de souligner Jean-Baptiste Brunet, c'est-à-dire l'homogénéisation de la pensée platonicienne et de la pensée aristotélicienne. Il a fait un mixte des deux. Je crois que c'est très très important de le souligner. Donc, et c'était une tradition alexandrine, parce que quand même d'Aristote à Averroès, il y a 1500 années. Donc il y a quand même toute une histoire de la philosophie. Et il était très conscient que la connaissance d'un processus graduel de sédimentation de la vérité à travers les âges était à prendre en compte. Et effectivement, il y a la logique, il y a tout ce qui concerne ce qu'on pourrait dire la psychologie et la théorie de l'intellect, on y reviendra. Toute la théorie politique va être interprétée par rapport aux fièvres et aux guérisons. Et donc, comme il y avait une grande instabilité à l'époque, le paradigme médical a servi aussi à interpréter politiquement ce qui se passait. Donc, entre la médecine et la logique, viennent se greffer après une connaissance de l'âme, de l'intellect, de la politique. Il y a d'autres œuvres aussi, c'est des œuvres qu'on pourrait dire théologiques, entre guillemets, parce que le terme est un peu ambigu, mais sa réponse à Razali, le tahafut al-tahafut, la destruction de la destruction, Razali ayant écrit une tahafut al-falasifa, donc la destruction des philosophes. Donc ça, c'est un type d'ouvrage monumental et un peu particulier, parce que ça n'est pas écrit sur le mode démonstratif dont parlait Ali tout à l'heure, c'est un peu autre chose, plutôt d'ordre dialectique. Il y a le Fasal Maqal, bien sûr, le discours décisif. Il y a des traités aussi donc, de médecine qui sont très intéressants, négligés à tort, parce que c'est là aussi que la pensée d'Averroès se manifeste. Donc c'est vraiment un polygraphe. Des lettres sur l'hygiène en particulier. Jean-Baptiste me fait penser à propos de la médecine, des lettres sur l'hygiène qui sont superbes à partir de Galien et qui, à mon avis, mériteraient aujourd'hui d'être présentées au public francophone. Ce n'est pas encore le cas. Jean-Baptiste Brunet parle à l'instant de ce fameux traité décisif, oui. Précisément qui est une contribution majeure, oui, dans la polémique, dans l'explication. Alors, quelle était la raison pour laquelle Averroès va donc écrire ce traité? L'idée, c'était de justifier juridiquement la pratique philosophique, faire que la sagesse soit une obligation légale. Parce qu'on lui reprochait précisément qu'il faisait de la philosophie en dehors de la religion. Exactement. Or, lui, il voulait absolument affirmer la compatibilité entre la tradition religieuse et la tradition philosophique. Non seulement la compatibilité, mais l'obligation. C'est pourquoi je disais sagesse dans le titre, sagesse et loi, que la sagesse soit un élément de la loi. Et ça, ça va très très fort, c'est une incorporation de la philosophie à la loi dite sharia, la loi divine. Et cette incorporation fait que précisément la vérité qu'il va essayer de défendre à travers tous les acquis de la démonstration aristotélicienne sont pour lui de plein pied incorporable à sa lecture coranique. Jean-Baptiste Brunet. Oui, Ali a tout à fait raison. La chose importante avec le discours décisif, c'est de ne pas oublier que c'est une fatwa. Donc lorsque Averroès écrit ce texte, il se prononce en tant que cadi, en tant que juge. C'est un avis légal qui essaie de déterminer la note,
la note légale en islam qu'on peut attribuer à cette activité qu'il appelle la sagesse, puis très vite la falsafa, la philosophie. Est-ce que c'est cette façon de parler de l'intérieur de la parole religieuse, ce n'est pas aussi une réponse à ceux qui voudraient l'excommunier en tant que musulman? Je crois qu'il y a aussi ça. À l'époque où il l'écrit, on n'en est pas encore là, je crois. Ce texte, j'ai plutôt l'impression que c'est une manière d'expliquer au pouvoir qui le soutient qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Donc il y a une sorte de circularité, il est un intellectuel organique et il écrit ce texte pour dire « Vous me soutenez, je vous rends hommage et je vous explique en quoi me soutenir ne va pas contre l'islam. » Et en 1179-1180, la date supposée du Fasl Maqal sera tout de suite suivie par un autre ouvrage qui est diptyque de celui-ci, « Kashf Manahij al-Adilla », donc dévoilement des méthodes de preuve, découverte des méthodes de preuve, où il va méthodologiquement, cette fois-ci, mettre en évidence les acquis des différentes orientations théologiques et comment lui-même se détermine philosophiquement par rapport aux orientations théologiques. Jean-Baptiste Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'adversaire d'Averroès, lorsqu'il écrit ses textes, ça n'est pas le pouvoir. Ce n'est pas encore le pouvoir, c'est plutôt cette école théologique dominante qu'est l'acharisme à l'époque. Razali est un acharite et c'est vraiment l'adversaire d'Averroès désigné à l'époque, c'est celui-ci. Lui-même, c'était un sunnite acharite. Lui-même a reçu cette formation-là, mais avec l'enseignement d'Ibn Tumar, qui est le fondateur de la théologie almohade, il rompt avec cela. Il rompt, il a sa théologie propre d'une certaine manière. Jean-Baptiste Brenet vient de prononcer un mot sur lequel il faudrait s'expliquer un peu. Et il a dit qu'Averroès était un intellectuel organique. Oui. Or, c'est assez curieux de voir un intellectuel organique du côté du pouvoir. Généralement, c'est plutôt l'inverse à Ali Ibn Marouf. Non, mais ça, c'est parce que nous avons nos propres schèmes de pensée. Montaigne, c'est un intellectuel organique. Hein, il a servi le roi très catholique au XVIe siècle, tout en étant maire de Bordeaux deux fois, ce qui était exceptionnel. Mmh. Et il était tout le temps à la cour royale. Intellectuel organique, ça marche tout à fait dans ce cadre-là. Je me permets là encore de citer Montaigne. Si je plie mon genou, je ne plie pas ma raison. Alors il y avait cette idée d'une forte autonomie de la pratique spéculative, intellectuelle, bien qu'il y avait effectivement une obédience à l'égard du pouvoir politique. Mais il ne faut pas penser l'obédience au pouvoir politique comme nécessaire stérilisation de la pensée intellectuelle. C'était un penseur libre. Oui, on peut le dire. Alors, Jean-Baptiste Brenet, il y a donc le traité décisif, mais il y a d'autres écrits qu'Averroès va produire et qui seront autant de travaux qui vont d'une certaine façon apporter une clarification à l'intérieur même de l'espace musulman. Oui, absolument. Mais, tout à l'heure, Ali parlait de diptyque avec le discours décisif et le kashf, le traité du kashf, mais d'une certaine manière, le tahafut at-tahafut est une mise au point. L'incohérence de la destruction, l'écroulement de l'écroulement. C'est une réponse à l'œuvre de Razali, Tahafut al-Falasifa. Voilà, c'est cela, qui attaquait donc les philosophes en les traitant sur un certain nombre de points d'infidèles. Et Averroès essaie d'expliquer pourquoi défendre telle ou telle position sur l'éternité du monde, sur la connaissance divine particulière des particuliers, ou sur, je sais pas, la vie future, pourquoi, comme le font les philosophes, parler ainsi, ça n'est pas aller contre l'islam. Et qu'au contraire, c'est la prise de position de Razali qui est plus dangereuse, la manière qu'il a de promouvoir une forme de divulgation d'un savoir qui n'est pas démonstratif, qui est plus dangereuse pour l'islam que ce que les philosophes, de leur côté, entre eux, s'ils savent réserver un petit peu de leur savoir, font. Nous verrons dans la seconde émission, parce que nous allons consacrer une deuxième émission aux controverses, justement la réponse d'Averroès, à distance évidemment, à Al-Razali, sur justement ces questions théologiques. Ali Ibn Marouf. Oui, mais justement, ce qui est très très important, c'est de décrisper complètement le débat qui avait été crispé par Al-Razali en essayant en quelque sorte de marginaliser les philosophes par l'incohérence des philosophes. Et ce que dit Averroès, il dit qu'il y a une pluralité d'accès aux textes sacrés. Et cette pluralité signifie une pluralité de méthodes. Soit on y accède rhétoriquement, en regardant surtout, en restant sur le plan des images, soit dialectiquement, en pesant le pour et le contre, soit effectivement par la sagesse et par la démonstration et par l'interprétation. Et en fait, quand on aborde le texte sacré par une seule méthode, on crée de la discorde. Et quand on l'aborde par plusieurs
méthode, on crée la concorde parce que ce sont des méthodes adaptées. Et c'est ainsi qu'il va en quelque sorte restituer, rétablir la force des trois méthodes aristotéliciennes, rhétorique, dialectique et démonstrative, contre ceux qui avaient cherché à marginaliser la philosophie, peut-être plus ceux qui se sont revendiqués de Al-Razali, mal transmis en Andalousie, qu'Al-Razali lui-même, qui est probablement moins radical que ce qu'on en dira plus tard en Andalousie. Jean-Baptiste Brenet, au moment où Averroès réfléchissait, pensait, polémiquait, écrivait, quelle était la situation dans cette époque médiévale de l'Europe? Parce qu'il y a quand même une effervescence d'un côté, mais il y avait une espèce de pause intellectuelle en Europe. Non, ce n'est pas une pause. On est sorti de la pause, parce que ce moment-là, c'est le XIIe siècle, et le XIIe siècle, c'est le grand siècle du renouveau, c'est l'urbanisation, c'est la naissance des écoles, c'est des maîtres comme Abélard. Donc on est à la veille d'une éclosion majeure qui sera celle des universités et de la scolastique proprement dite, dont vraiment Averroès sera l'un des chefs de file, indirectement, en tant que, dans la mesure où tout le monde le lit. Mais ça n'est pas une période de pause, c'est au contraire aussi une période d'ébullition. Donc Crémone a été contemporain d'Averroès, oui, avait fait la descente vers Tolède. On oublie quand même que Tolède a été reconquise par les chrétiens en 1085, très tôt, à la fin du XIe siècle. Et elle a attiré plusieurs penseurs, justement, du Nord, qui n'ont pas fait le voyage vers Cordoue, mais qui ont déjà donné lieu à cette effervescence de Jean-Baptiste. Alors qu'Averroès est encore vivant, on se met à traduire déjà les penseurs arabes. Oui. Donc Avicenne arrive presque avant le nouvel Aristote. Donc c'est un moment de complémentarité en vérité intellectuelle. Alors, quel a été, en résumé, si vous pouvez le faire en très peu de temps, l'originalité, la contribution majeure d'Averroès à la pensée, et pas seulement à la pensée islamique, à la pensée universelle, hein, Ibn Makhlouf? Peut-être redire cette phrase célèbre dans le discours décisif, « La vérité ne se contredit jamais et témoigne toujours pour elle-même, et on y a accès soit par la foi, soit par un travail de l'intellect, mais il faut peut-être jamais chercher à diviser les acquis de la foi et de la piété, des acquis de la spéculation et de la raison. » Pour vous, Jean-Baptiste Brenet, quelle est cette approche? De façon un peu théorique, je crois que l'une des plus belles choses d'Averroès, qui l'a obsédé toute sa vie, c'est d'essayer de penser ce qui fait la puissance commune de l'humanité, c'est-à-dire la caractéristique même de l'humanité, à savoir la capacité de penser. Et c'est quelque chose qui rassemble et qui ne sépare pas. C'est-à-dire que l'homme en tant qu'homme a une puissance commune de pensée. Et Averroès a essayé de penser cette communauté-là, cette universalité-là. Et ça, c'est très beau. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur ce penseur sur lequel nous reviendrons dans une seconde émission qui sera consacrée aux controverses, justement, du temps d'Averroès, mais aussi au-delà, et quelles sont les répercussions de la pensée d'Averroès sur les temps modernes. Alors, un certain nombre d'ouvrages. Je commence d'abord par votre ouvrage à vous, Ali Ben Makhlouf. Vous lui avez consacré il y a quelques années un ouvrage, Averroès, où vous présentez l'homme, mais aussi l'œuvre, aux belles lettres. De vous, Jean-Baptiste Brenet, les possibilité de jonction Averroès et Thomas Wilton. C'est une polémique entre deux penseurs. Thomas Wilton est un théologien anglais, chrétien, mais qui, dans certaines de ses questions, suit Averroès et le défend contre la religion catholique. Et puis, traité décisif, nous en avons parlé, évidemment, qui est un des ouvrages majeurs de ce grand penseur, traité décisif aux éditions Vrin. Averroès, grand commentateur, grand commentaire des métaphysiques d'Aristote, vous nous avez parlé tout à l'heure, il était le connaisseur, il était celui qui a transmis, mais avec une touche personnelle, intellectuelle, en tant que philosophe musulman aux éditions, la société d'édition Les Belles Lettres. L'abrégé de la quintessence de la théorie légale, Abdel Walid Mohamed Ibn Rouge d'Averroès, traduction et annotation par Aïda Farhat aux éditions Albatros. Et puis, ce numéro que la revue Qantara, la revue de l'Institut du monde arabe, a consacré à ce grand penseur Averroès, il y a quelques années, mais c'est un numéro qui peut toujours être consulté, car il apporte un certain nombre d'éléments, à la fois théorique et pratique, sur ce grand penseur qu'était Averroès. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés ce matin. Merci à vous. Vous pouvez toujours regarder votre émission en allant sur le site de France Télévisions. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite un excellent dimanche, une très bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain pour la deuxième partie concernant les grands débats théologiques à l'intérieur de l'espace musulman. Merci. Au revoir. Allahumma
وصلي وسلم وبارك على سيدنا وأسعدنا وسندنا ونبينا محمد